que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Mon âme a témoigné, tu es Dieu. Mon esprit a confirmé, tu es Dieu. Mon corps a déclaré, tu es Dieu, tu es Dieu. Ma vie a confessé, tu es Dieu. Mes projets ont témoigné, tu es Dieu. Ma destinée a déclaré, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Mes projets ont déclaré, tu es Dieu. Ma vie a dit, oh, tu es Dieu. On ne témoigne que, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ma famille a témoigné, tu es Dieu. Mon ami, tu es Dieu. Mes parents, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté, oh, fais ta volonté. Fais ta volonté dans ma vie. 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 Fais ta volonté, oh, dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté, oh, dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Disons, fais ta volonté dans ma vie. En cette année, ta volonté dans ma vie. En ce mois, ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté, oh, dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Ta volonté, oh, dans ma vie. Ta volonté, oh, dans ma vie. Ta volonté dans ma vie. Ta volonté, oh, dans ma vie. Ta volonté dans ma vie. Ta volonté, oh, dans ma vie. Mm. Ta guérison, eh, dans ma vie. Ta guérison, oh, dans ma vie. Ta guérison, eh, dans ma vie. Ta guérison est ma vie. Ta puissance, oh, ma vie. Ta puissance est ma vie. Ta puissance, oh, ma vie. Ta puissance est ma vie. Ta grâce, oh, dans ma vie. Ta grâce est dans ma vie. Ta grâce est dans ma vie. Ta grâce est, oh, dans ma vie. Ta grâce a favoré dans ma vie. Ta miséricorde, ta bonté, oh, dans ma vie. Ta volonté dans ma vie.
dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie, oh. Dans ma vie, dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie. Le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es Dieu, Jéhovah. Église, nous parlons de la protection. Church, you are talking about protection. Après avoir dit qu'il y a des gens qui prennent la protection, c'est le diable. After saying some people take protection to the devil. Nous, enfants de Dieu, nous faut la protection de Dieu. We children of God, we need God's protection. Et tous ceux qui font cherchent la protection, c'est le diable, doivent être encouragés à chercher la protection chez Dieu. And all those who are in the devil's side will be encouraged to take the protection on God's side. Et nous parlons donc de la protection de Dieu via le ministère des anges. And we talk about God's protection through the ministry of angels. On a eu un culte des leaders ici. And they will have the leader service. Où j'ai parlé d'une forme, d'un type d'ange. Where I talk about a kind of angel. Et ce soir, avant de rentrer dans les anges du ciel. And before going into the angel of heavens. J'ai envie d'entrer un peu en profondeur par rapport à ce message. I want to go deeper on the message. Parce qu'on parle à tout le monde. Tonight you are talking to everybody. Into ceux qui nous regardent à la télé. Those who are watching on the TV. Nous avons posé une question. We asked one question that day. De qui es-tu ange? From who are you angel? Est-ce que tu sais que tu es l'ange sur la terre de quelqu'un? Do you know there are somebody's angel on earth? La Bible dit que les anges sont des esprits. The Bible says that angels are spirits. D'après Hébreux chapitre 1 verset 14. According to Hebrews chapter 1 verse 14. Les anges sont des esprits. Angels are spirits. Et nous sommes aussi des esprits. And we are spirits too. La différence entre les anges du ciel et nous, c'est que nous sommes des esprits dans un corps physique. The difference is that we are spirits in the physical body. La Bible dit que nous sommes des esprits que Dieu a mis dans un corps à qui il a donné une âme. The Bible says that we are spirits that God put in the body and gave a soul. Donc si les anges sont des esprits et que nous sommes des esprits, so if angels are spirits and we too, nous pouvons aussi jouer le rôle des anges parce qu'en fait la mission des anges c'est premièrement d'adorer Dieu. The mission of angels is first to worship God. Nous adorons Dieu. We worship God. Deuxièmement, c'est de servir Dieu. Secondly, is to serve God. Nous servons Dieu. We serve God. Troisièmement, thirdly, c'est de protéger. Is to protect. Les intérêts de Dieu. The interest of nous God. Le faisons. We do it. Donc en fait, nous sommes des anges. In fact, we are angels sur cette terre. Upon this earth. Pour protéger. To protect. Pour garder. To keep. Sécuriser. To secure. Les intérêts de Dieu. God's interest. Et la Bible dit. And the Bible says. Dans Genèse chapitre 4. In Genesis chapter 4. Au verset 9. At verse 9. Après que Abel soit tué par son frère. After Abel was killed by the brother. Dieu pose la question à Caïn qui est le frère d'Abel. God asks the question to Cain the brother of Abel. Où est ton frère? Where is your brother? Et Caïn répond. And Cain answers. Suis-je le gars de mon frère? Am I the God of my brother? Et je vous ai dit église. And I told you church. Ceux qui étaient là. For those who were present. En fait, Dieu ne pose jamais une question parce qu'il veut la réponse. God never asks a question because he needs the answer. Dieu pose une question parce qu'il a la réponse. He gives the question because he has the answer. En réalité, Dieu voulait soulever une problématique importante pour la suite des temps. God wanted to open a bracket for the. Dieu voulait nous informer qu'en fait. He wanted to inform us that. Caïn était le gardien de Abel. Cain was Abel's guard. Caïn était le gardien de Abel. Cain was Abel's guardian. Nous sommes des gardiens pour certaines personnes. We are guardians for some people. Et chacun doit réaliser. And each of us must que realize Dieu l'a mis dans une famille. That God put him in a family. Pour garder certaines personnes ou tous les membres de la famille. To keep some people or all the siblings. Quand je dis garder, c'est de sécuriser les intérêts. When I say keep, I mean to secure the quand je dis garder, c'est de protéger. When I say keep, is to protect. Quand je dis garder, c'est aussi avertir. When I say keep, is to quand je dis garder, c'est aussi conseiller. When I say to keep, is to advise. Plusieurs enfants de Dieu animés d'un zèle satanique. Many children of God with their bitter zeal. Parce que eux, ils sont trop saints. Because they are so holy. Parce que eux, ils aiment Dieu plus que les autres. Because they love God more than eux, others. Eux, de garder, instead of keeping, de conseiller, of advising, de prier, of praying, d'intercéder, of interceding, ils critiquent, they criticize, ils jugent, they judge, ils condamnent. And they condemn. J'ai expliqué à l'église. And I have explained to the church. Caïn était le gardien de son frère. Cain was the guardian of the brother. Abel. Abel. Et Abel aussi. And Abel too. Était le gardien. Was the guardian. De Caïn. Of Cain. Abel n'a pas joué son rôle. Abel did not play his role. C'est Abel que Dieu a béni. It's Abel that was blessed by c'est God. Abel qui a eu la promesse, la grâce et l'onction
après son acte prophétique. He had the promise, the grace and the anointing after his prophetic. Et qu'est-ce qu'Abel a fait après sa bénédiction? And what did he do after his blessing? Pendant que Caïn était nourri par des sentiments de haine, de rancune, de déception, d'animosité. While Cain was still for bitterness. Abel lui se plaisait, a dit moi je suis riche. Abel was delighting and said, moi I am je me rich. Suis marié. I got married. Moi je voyage. I am traveling. Monsieur Caïn, Sir Cain, tu ferais mieux de prier encore. You better pray again. Tu as mal prié. You did not pray en fait, well. Tu as même trop péché. In fact, you have so sinned. Abel n'a pas gardé son frère. Abel did not keep his brother. Il n'a pas joué le rôle de l'ange gardien. He did not play the role of the guardian angel. La première unité, the first unity, dans laquelle tu dois jouer ton rôle de ange gardien, in which you must play your role of guardian angel, c'est ta famille. Is your family. Si ta famille est dans les problèmes de sorcellerie aujourd'hui, if your family is in witchcraft today, c'est parce qu'à une certaine époque, it's because at a certain time, quelqu'un n'avait pas joué son rôle. Somebody did not play his Il y a quelqu'un role. Qui a livré ta famille, somebody deliver your family dans les mains des sorciers. Into the hands of the witch. Chaque fois. Each time, qu'on veut détruire une personne, they want to destroy somebody, il faut toujours que son sang soit là it takes his blood to be pour le livrer. To deliver him. En d'autres termes aussi, in other words, ou bien dans un autre sens aussi, or in another sense, si pour livrer, if to deliver, il faut que le sang de quelqu'un soit là the blood of somebody must pour be protéger, there, to protect, il faut aussi que le sang de quelqu'un soit là. The blood of somebody must be there si les membres de ta famille, if your siblings, si un membre de ta famille if your relatives, peut livrer un autre membre de la famille, can deliver another family ça veut dire member, que toi, le membre de la famille, it means you, the family tu peux member, protéger ce membre de la you famille. Can protect yes. That family member. Quand je dis tu peux protéger, when I say you can protect, c'est que Dieu peut passer par toi and that God can pass pour protéger. You to protect. Dieu ne quittera pas le ciel God will never leave heaven pour venir protéger ta grand-mère, to come and protect your ton petit-fils, ton petit frère, son, your ta petite brother, soeur ou ton grand frère. Or your Dieu elder passe brother. Par toi. God passes through you. Jésus doit quitter la terre. Jesus must leave the earth. Je veux ce verset. Et il dit à Pierre, and he told Peter, il dit à Jean, he told James, il dit à certains de ses disciples, James, he told some of his voilà Marie, here is Mary, gardez-la, keep her, restez avec elle. Stay with her. Moi je pars, I will go. Mais Marie là, but Mary, restez avec Marie. Stay with Mary. Donc Jésus n'était plus là pour protéger sa mère. So Jesus was more there to protect the mother. Mais il a dit à Jean, but he told James, garde told Marie, keep Mary, protège-la, protect her. Il y a des patriarches qui meurent. They are patriarchs when they die. Ils choisissent un enfant de la famille. They choose one child of the family. Ça peut être le premier né. It can be the firstborn. Ça peut être le dernier né. It can be the lastborn. Mais il prend toujours quelqu'un qui a le cœur. But he always takes somebody who pour has les the autres. Heart for others. Et il dit, and he said, peut-être en secret. In the secret, je te laisse avec tes frères. I leave you with your brother. Je te laisse avec tes sœurs. I leave you with your sisters. Je te laisse avec ta mère. I leave you with your mother. Protège-la. Protect her. Je vais te dire une vérité. I will tell you the truth. Si on te donne la mission de protéger les autres, they give you the mission to protect others, c'est une bénédiction. It's a blessing. Parce que si ton père ou ta mère, because if your father or your mother, un pasteur, un aîné, a pastor, an elder, te dit protège les autres, asks you to protect il vient others, de te donner l'onction, he just gave you the anointing, les armes, the weapons, pour les protéger. To protect them. Pendant que tu te plains, while you complain, de ce que tu n'es pas marié, of the fact you are not married, tu n'as pas le travail, you are jobless, ta vie ne donne pas comme tu veux, your life has no il y a une meaning, mission sur ta vie. There is a question upon tu your es life, un ange gardien for who, pour les gens de ta famille. You are an angel and therefore people of your family. L'église aujourd'hui a été réduite, the church today was reduced, à un ensemble de personnes plaintives, to a set of people who complain, misérables, who are miserable, pleureurs, who love to cry, dans les lamentations, in lamentations, et on oublie, and we forget, pourquoi on est même sur la terre. Why we are on earth. Le voleur ne vient que, the thieves come only, pour dérober, to rob, détruire, to destroy, égorger, and to slaughter. Mais qui protège? Who protects? Dieu ne protège pas sans passer par un ange. God does not protect without passing through an angel. L'ange peut être celui qu'il envoie du ciel. The angel can be sent from heaven. L'ange peut être toi. He can be you. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Dieu est assis sur le trône. God is seated on the throne. Il n'est pas là pour quitter le trône pour venir dire au sorcier de ta famille que ne le tue pas. He cannot leave the throne to come and tell the wizard not to kill you. Il envoie un ange pour venir menacer le sorcier. He sends out an angel to come and kill. Soit l'ange là est celui qui est mandaté depuis le ciel. Whether the angel is mandated from heaven. Soit l'ange là c'est toi. Or the angel is you. La sorcellerie sévit encore dans ta famille. Witchcraft is still active in your family. Parce que tu n'as pas encore pris ton armure. Because you have yet to take your armor. Pour protéger les to autres. To protect others. Beaucoup d'enfants de Dieu. Many children of God. Se retrouvent aujourd'hui. Found themselves today. En train de pleurer. Crying. Alors que eux. Though. Ils doivent protéger. They must protect. Ils doivent protéger. They must protect. Est-ce que tu connais
Do you know le rôle que tu as the role you have dans ta famille in your family pour protéger les autres? To protect others. Est-ce que tu connais do you know la mission que tu as the mission you have dans ta famille in your family pour garder les autres? To keep others. Ta sœur, your sister, ton frère, your brother peut ne pas voir might not have le même zèle que tu as dans les prières. The same zeal you have in prayers. Mais son étoile but the star doit vous faire du bien. Will do you good. Elle est encore pleine dans le monde. She's still in the world. Elle insulte même ton pasteur. She even insults your pastor. Mais tu dois la protéger. But you must protect her. Tu dois la protéger. You must protect her. Quand les apôtres Pierre et les patriarches apostoliques de l'église primitive voyaient Saul. When the apostles and of the primitive church were seeing Saul, tuer les chrétiens. Killing Christians, casser les églises, broken the churches, détruire l'œuvre de Dieu, destroying the work of God. Pierre maudissait Saul. Peter was cursing Saul. Pierre donnait élevait la voix avec les autres. He was uplifting the voice with pour others. Pour que Saul meure d'AVC. For Saul to die of cerebral pour attack. Que Saul soit paralysé. For him to be paralyzed. Mais pendant ce temps, but during that time, Jésus connaissait ce qu'il avait déposé en Saul. Jesus knew what he has dropped in Saul. Qui finira par devenir Paul. Which will end up being Paul. Dont les paroles de malédiction de so the word of course of contre Saul against Saul venait rencontrer sur Saul we're coming to meet la upon protection Saul, de Jésus. The protection of Jesus. Écoute-moi. Listen Pierre to me. Avait les clés pour détruire qui voulait. Peter had the key to la preuve. Il a parlé sur Ananias. He spoke upon Ananias, Ananias est mort. Ananias il a parlé sur Saphira. He spoke upon Saphira est mort. Il parle sur Saul. Saul ne meurt pas. Saul quelqu'un le protégeait. Somebody was protecting him. Il y a des gens dans ta famille. There are people in your family. L'année ci ne finira pas. This year will not run. Ils vont croire en Jésus. They will believe in ils vont servir Jésus. Amen. Ils vont prêcher Jésus. Amen. Il y a des gens que tu connais. There are people you parmi know. Avec les gens avec qui tu travailles. Among those you are working. Pour le moment, ils insultent les églises. Mais l'année ci ne finira pas. Yes. Le Jésus qui les connaît depuis la fondation du monde. Le Jésus qui les protège. Même lorsqu'on les empoisonne. Le Jésus qui les protège. Même lorsqu'on les attaque. Ce Jésus va les utiliser. Amen. Ils vont le servir. Il est hostile aux églises. It's hostile to churches. Hey, les faux pasteurs. Fake pastors. Oh, les nouvelles églises. New churches. La fête d'église de réveil. Les escrocs pasteurs là. Crook je ne veux pas entendre parler. I don't want to hear about Jésus that. Sait. Jesus lui-même knows. Il va entrer dedans. Himself will enter there. Même si tu le maudis. Even if you curse him, Jésus Jesus le protège. Protects him. Il y a des sorciers que Jésus protège. There are wizards that Jesus protects. Parce qu'il va les utiliser. Because he will use them. Il y a deux types de sorciers. Quand un sorcier t'attaque, there are two kinds of wizards when he attacks. Il y en a, tu peux le maudire, ça marche. You can curse him, it works. Donc ça marche pas. Others it does not parce work. Que Saul, because Saul deviendra Paul. Will become yes. Paul. Il ne mourra pas comme ça. He will not die that way. Il va prêcher Jésus. He will preach Jesus. Pourquoi? Why? Dieu l'a envoyé en Égypte. God sent him to Egypt. Pour voir comment ça se passe. To see how it works. Et il va sortir de l'Égypte. And he will come out from Egypt. Les stratégies les connaîtra. He will know the strategies. Les techniques des Égyptiens les connaîtra. The Egyptian techniques pour will mieux know aller les attaquer. To better go and attack et détruire them leur système. And destroy their system. Pour détruire to destroy un système, a system, il faut y être. You have to be there. C'est pour ça qu'on parle des espions. That is why we talk about spy. L'espionnage. Doing spies. C'est mondial. Même pour détruire Jéricho, il fallait envoyer des espions. Even to destroy Jericho, you needed to send spies. Pendant que les pasteurs de Jéricho maudissaient Rahab. While Jericho pastor were cursing Rahab. Rahab ne mourait pas. Rahab was not dying. Ses clients mouraient. The customers elle vivait. She was living. Dieu protégeait la prostituée. God was protecting the harlot. Parce qu'il devait utiliser because la prostituée. The yes. Harlot. Qui est cette personne? Who is that person? Qui n'est pas encore dans la foi? Who is not yet in the faith? Qui n'aime pas ta façon de prier? Who does not love your way of praying? Qui n'aime pas ta façon de parler who de Dieu? Who does not love your way of talking qui of God? Qui se vante d'être catholique? Who boasts of being Catholic? Qui se vante d'être protestant? Who boasts of being Protestant? Et qui se moque des églises de réveil? Who mock at revival churches? Mais qui va entrer un jour? But who enter one day? Parce que Dieu l'a appelé. Because God has called qui est cette personne? Who is that person? Que tu l'as protégé?
Si vous êtes dans la lumière, if you are in the ne light, combattez pas comme les gens de ténèbres. Do not fight like people of the darkness. Si les gens du monde, if people of the world, les païens de ta famille, the Gentiles of your te family, détestent, c'est parce qu'en eux, because in them, ils n'ont pas le Père. They don't have peace. Parce que le Père because the est amour. Is in us. Toi qui as l'amour, you that have on love, te déteste, you have tu détestes hate, aussi. They hate you, you hate too. Les choses qu'on voit dans les familles. Things we see in families. Je ne parle qu'à ceux qui vont dans mon église. I talk only to those who go in my church. Comme tu as quitté notre religion, on ne te parle plus. Since you have left the religion, you no more speak to you. Vous aussi, vous faites ça. You also do that. Alors que vous devez protéger vos familles. Though you have to protect your families. Vous devez protéger vos frères. You must protect your brothers. Protéger vos soeurs. Protect your sisters. Tu n'es pas arrivé ici parce que la maladie. Non, Dieu est passé par ça. You did not come here because of the maintenant, pendant que tu es là, as you are here, il y a une mission qu'il est en train de te donner. There is a mission is given to you. Dieu doit t'utiliser God must use comme you l'ange as an angel de ta famille. Of your family. Amen. Écoute-moi bien. Listen to me well. Lot, son père est mort. His father died. Lot, son père est mort. His father died. Et Abraham l'a récupéré take him back pour le protéger. To protect him. Le père de Lot est mort. The father of Lot died. Et son oncle Abraham. And his uncle Abraham l'a récupéré. Recover him. Pour le protéger. To protect him. Il y a des orphelins. They are orphans. Que tu as récupéré. That you have recovered. C'est Dieu qui te les a envoyés. It's God who sent them to même you. Si l'orphelin est désobéissant. Even if the orphan is disobedient. Même s'il est ingrat. Even if he's ungrateful. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Do what God asks you to do. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Do what God asks you to do. Les anges angels ne protègent pas does not protect parce que le protégé est reconnaissant. Because the one that the protect is les anges protègent parce que Dieu les a envoyés protéger. Angels protect because they were sent to protect. Oh, je vais arrêter d'aider les gens parce que les gens sont ingrats. Tu n'aides pas les gens parce qu'ils sont contents. Il faut que tu aides les gens parce que ton père t'a donné la mission d'aider les gens. You help people because God asks you to help people. Je suis en train de dire à quelqu'un. I am telling someone. Si tu étais à découragé parce que les gens à qui tu as fait du bien t'ont insulté. If you are discouraged because of ungratefulness. C'est un autre. It's an order. Tu recommences à faire du bien. You start back doing good to tu people. Tu recommences à aider les gens. You start back helping et people. Dieu te donne les moyens encore et encore pour le faire. Amen. Si tu étais épuisé et fatigué, tu ne pouvais plus, tu ne voulais plus, tu voulais te concentrer sur ta vie, tu es là pour protéger, tu vas les protéger. Oh, moi j'ai lavé mes mains dans les affaires des gens. I've washed my hand in people's business. Tu es condamné à mettre ta bouche dans les affaires des gens. You are condemned to put il y a les gens que Dieu a sacrifiés pour les autres. There are people that were sacrificed for c'est ta vie là-bas. Is your life like that? Aider, soutenir, sustain, conseiller, advise, encadrer. Parce que tu es un ange. Because you are an angel. Tu crois que tu fais ça parce que tu aimes trop? You think you do that because you so much Dieu love? T'a choisi pour ça. God has chosen you for fais that. Ça. Do it. C'est pour ça qu'il va te juger. Il ne va pas te juger parce que tu as porté l'habit. Hein. That is why he will judge you. Il y a des gens qui te diront, non, j'ai vu, oh, Dieu m'a envoyé au ciel. Et j'ai vu les gens du quelqu'un au ciel. Il n'est pas entré au ciel parce qu'il portait le pantalon. Elle n'est pas entré au ciel parce qu'elle portait les mèches. Elle n'est pas entré au ciel parce qu'elle portait le maquillage. Mon ami, tu n'entras pas au ciel parce que les gens à qui, les gens dont Dieu t'a donné une mission, tu n'as pas accompli la mission. You will not go to heaven because you failed your mission. Vos affaires de pantalon là. Your matter of trousers, de mèches et de maquillage. Of wig and makeup. Écoutez-moi bien. Listen to me. Chacun écoute Dieu à sa façon. Everybody listen to mais God si toi, madame, way, but if you, Dieu madame, t'a dit sur la terre, God told you on earth, protège les orphelins. Protect the orphans. Porte pas le pantalon. Do not wear the trousers. Porte pas les mèches. Do not wear wig. Ne te maquille pas. Do not make tu ne protèges pas les orphelins. If you don't protect the c'est orphans, sur ça qu'il va te juger. There you will be judged. Chaque personne sur la terre a une mission. Each person on earth has a mission. Et cette mission, tu la ressens dans ton cœur. And you feel it in your heart. C'est ce qu'on appelle le fardeau. It's what is called the burden. Il te pose le fardeau dans ton cœur. You drop the burden in your heart. Quand que tu ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire, as long as you don't do what tu n'as you pas to de do, paix. You will have no peace. L'église est devenue le repère des méchants. The church became the repair of wicked ones. Je ne porte pas les boucles. I don't wear earrings. Mais je n'aime pas les gens. But I don't love people. Je ne porte pas les pantalons. I don't wear trousers. Mais je suis hypocrite. But I am hypocrite. Je ne porte pas les mèches. I don't wear wigs. Mais je suis jalouse. But I am jealous. Genèse chapitre 12 à partir du verset 4, il est écrit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot parti avec lui. Et l'autre parti avec lui. And Lot left with him. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Lot n'était pas son fils. Lot was not his son.
J'ai changé, Dieu vient de changer mon message il y a 5 minutes. God just changed my message. Il y a des gens que Dieu met sur ton chemin. There are people that God puts on your way. Ils ne sont pas sortis de ton ventre. Who are not from your womb. Ce sont tes enfants que Dieu te donne. They are your children. Tu es leur ange. You are their angels. Tu es leur ange. You are their angel. Ingrat. Ungrateful. Ils t'insultent. They insult you. Ils te sabotent. They slander you. Tu es leur ange. You are their angel. Si Dieu t'a mis dans les mains de quelqu'un qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère. If God put you in the hands of somebody who is not your father. Qui t'a payé l'école. Who pay your school fees. Cette personne-là. That person. C'est ton ange. It's your angel. Parce que les gens quand vous grandissez, because people when you grow up, vous devenez ingrat. You become ungrateful. Vous oubliez. You forget. D'où vous venez. From where you're coming. The Bible says outside. Les ingrats. The ungrateful. Les ingrats n'entreront pas au ciel. Ungrateful ones will not go to heaven. J'ai réalisé quelque chose. I've realized something. Vous vous rappelez facilement de ce qu'on vous a fait comme mal. You easily remember about what you were done as wrong. Et vous oubliez facilement le bien qu'on vous a fait. And you easily forget the good you were done. Je suis convaincu que quand tu deviens homme, I am convinced when you become quand man, tu deviens une femme, when you become woman, il n'y a pas que tes parents qui t'ont aidé. Not only your parents help you. Beaucoup d'inconnus, many unknown beaucoup people, d'oncles, many uncles, beaucoup de tantes, maybe aunties, sont entrés dans ta vie. Enter into your ils ont life, mis quelque chose. And they put something. Parce que Dieu les utilisait, because God used comme them tes anges, as your angel. À chaque séparation, to each separation, oh, ce qui m'a fait là, what je ne vais jamais oublier. Never I will forget. Elle parle du négatif. She talks about the mais le positif, side, but the positive elle a side, tout oublié. She forgets. Il a tout oublié. He forgot. Dieu peut te maintenir dans ta pauvreté. God can maintain you in your poverty. Parce que tu n'as jamais su dire merci à ta marâtre. Because you have never been grateful towards your mother. Je dis marâtre parce qu'elle t'a quand même maltraité. She means elle t'a quand même maltraité. She ill treats you. Pendant que les gens mangeaient au salon, as people were eating in the living room, toi on t'envoyait laver les assiettes. You were sent to wash the dishes. Pendant que les gens allaient à l'école, as people were going to school, on t'envoyait au champ comme David. You were sent to the farm like David. Ton frère t'a récupéré. Your brother recovered you. Il t'a hébergé chez lui. He lodged you. Mais ce qui est dans ton cœur contre sa femme ou contre lui-même, but what you have against his wife or him, héberger les gens n'est pas facile. To lodge people is not easy. Mon message a changé, donc vous allez m'excuser. My message has changed. Please, you help me. Excuse me. Héberger les gens n'est pas facile. To lodge people is not easy. Nourrir les gens n'est pas facile. To feed people is not easy. Payer l'école aux gens n'est pas facile. To pay people's school fees is not chers easy. Pentecôtistes, si on vous a fait du bien, if you were done dites good, merci. Say thank you. Vous causez avec Jésus. You discuss with vous avez Jesus, le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit, mais vous êtes des ingrats. But you are ungrateful. Et à cause de ça, and because of that, vous restez sur place. You stay on the same place. Vous restez sur place. You stay on the spot. Quand tu regardes l'histoire de Moïse, when you look at Moses, Dieu a mandaté les anges, God mandated angels, à partir de sa naissance, from his birth, pour le garder, to keep him. Il ne les voyait pas. He was not seeing vous pensez them. Vraiment, you really think, dans un fleuve comme le Nil, in the stream like the Nile, où il y a des crocodiles, where there are crocodiles, des serpents, serpents, un bébé pleure à 3h du matin, a baby cry at 3 parce que sa soeur n'est pas venue pour lui donner le biberon, because the sister did not come to feed him. Il reste là, il n'est pas gardé par un ange. There, is he not kept by an les angel? Anges gardaient Moïse à son enfant, à sa naissance. Angels were keeping Moses at his birth. Il est parti de là, he left that place, vivre chez Pharaon. To go and live in Pharaoh's le représentant house, légal du diable sur la terre à l'époque. The legal representative of the vous devil pensez que les anges time, le gardaient pas? You think he was not kept by the les angels? Anges le gardaient. He was kept by the angels. Il grandit. He grew up. Il quitte de là. He left that il place. Va chez ses frères. He went to his brother. Il tue pour ses frères. He came for his brothers. Pharaon le poursuit. Pharaoh pursued. Il fuit au désert. He flee in the wilderness. Pensez que Dieu ne le gardait pas? Do you think God was not keeping Dieu him? Le gardait. God was keeping him. Il sort les enfants d'Israël de l'Égypte. He saved the children of Israel from Dieu Egypt. Met devant eux la colonne de nuée. God puts in front of them the cloud. Ce sont les anges. Pillar. Derrière la colonne de feu. Behind the cloud. Ce sont les anges. They are angels. Dans sa vie. In his life. Les anges. Angels. Moïse meurt. Moses died. Et on ne doit pas enterrer Moïse. And he must not be buried. Parce que Moïse était un appelé spécial. Because Moses is a special. Son corps est encore sur la terre. The body is still on earth. Satan arrive. Satan came. Pour venir récupérer son corps. To come and recover the body. Dieu mandate un ange. God mandated an angel. Venir prendre son corps. To come and take his body. Et l'amener au ciel. And send it to heaven. Donc de la naissance de Moïse jusqu'à sa mort. So from the birth of Moses to the death. Les anges ont été là pour lui. The angels were there for him. Les anges l'ont accompagné. The angel followed him.
Le ministère des anges était à ses côtés. The ministry of angels was beside him. Aujourd'hui, today, quand Dieu met sur ton chemin des anges, when God puts on your way angels, tu vois seulement comment tu vas les exploiter. You only see the way you exploit sans them leur dire merci. Without giving thanks. Ce sont les anges qui ont donné l'enfant who gave the child à la femme de Abraham. To the wife of Abraham. Parce que Abraham, because Abraham s'est aussi constitué comme un ange was an angel pour l'enfant de l'autre, for the child of Lot, qu'on appelait Lot. Si tu es un ange pour les gens, if you are an angel for people, Dieu mettra des anges pour toi. God will put angels Amen. For you. Ne sois pas l'église méchant, aigri, jaloux, à s'attacher, toujours avec des pensées égoïstes. Don't be weak in the church with selfish thoughts. Ne sois pas dans la famille comme quelqu'un qui ne pense qu'à toi-même. Don't be in the family as somebody who talks. Sois l'ange pour les autres. Be the angel for all. Et les autres and others seront tes anges. Will be your angels. Tu auras des problèmes un jour, que tu le veuilles ou pas. You have problems one day. Mais Dieu enverra un ange. But God will send forth an angel. Pour te sortir de ces problèmes. Amen. To solve the problem. Ne sois pas égoïste. Do not be selfish. Ne sois pas méchant. Do not be wicked. Ne sois pas méchant. Do not be wicked. On prie Dieu. We pray God. Mais nos cœurs sont attachés. But our heart are tied nos up. Cœurs sont méchants. Our heart are wicked. Nos cœurs sont rancuniers. Our heart have resentment. Nos cœurs gardent. Our heart keep des choses. Things. Contre les autres. Against others. Je répète. I repeat, si quelqu'un if somebody t'a fait du bien. Did you go, si quelqu'un if somebody t'a aidé. Has helped you, si quelqu'un if somebody t'a soutenu. Sustained you, hébergé. Yes. Paye l'école. Pay your school fee, nourri. Fee, ne sois pas ingrat. Do not be ungrateful. Dans sa méchanceté. In his wickedness, cette personne a été ange pour toi. That person was an angel for you. Là où tes parents ont été limités. Where your parents were limited, ces personnes t'ont fait du bien. Those people did good to you. C'était un ange. It was an angel. C'était un ange. It was an angel. 2 Timothée 3. 2 Timothy 3. Verset 2 dit. Verse 2. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Il y a beaucoup d'ingrats. There are many ungratefuls qui n'entreront pas au ciel. Who will not make heaven. Il y a beaucoup d'ingrats. There are many ungratefuls que Dieu ne sauvera pas. That God will not save. Parce qu'ils n'ont pas identifié dans la vie de ceux qui leur ont fait du bien. Because they are not identifying the life of those who did them good. La mission angélique. The angelic mission. Tu es l'ange de qui? From who are you the angel? Tu es l'ange de qui? You are whose angel? Ce neveu là. That nephew. Tu as vu sa tendance. I've already seen the way he was. Quand tu vas finir de l'aider, il va quitter de chez toi, il va t'insulter. When you end up helping him, you'll leave je your te house. Répète. I repeat. Tu ne l'aides pas pour lui. You don't help him for him. Tu l'aides pour celui qui t'a mis sur la terre. You help him for he who puts you on earth. Le jour où vous comprenez ça, the day you understand that, vous allez arrêter de pleurer parce que les gens que vous avez aidés sont retournés contre vous. You will stop crying because of ungratefulness. Beaucoup de pasteurs sont devenus méchants à cause des chrétiens ingrats. Many pastors became wicked because of ungrateful Christians. Beaucoup de parents sont devenus méchants à cause des enfants ingrats. Many parents became wicked because of ungrateful children. Beaucoup de chefs d'entreprise sont devenus méchants à cause des employés ingrats. Many head of company become wicked because of the ungrateful je répète, employees. I repeat, celui qui t'a aidé là t'a certainement fait du mal. He that helped you did you wrong à certains moments. At some times. Mais concentre-toi but focus sur le bien qu'il t'a fait. On the good he did to you. Et bénis ce bien and bless that good après votre séparation. After your departure. C'est dans ça que Dieu te bénira. There God will bless you. Si tu es ingrat envers un homme que tu vois, if you are ungrateful towards a man you see, comment seras-tu reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas? How will you be grateful towards God you don't see? Abraham, Dieu l'utilise. God used him. Et il prend l'orphelin Lot. And he took the orphan Lot. Il marche avec Lot comme son propre fils. He walked with him like the own son. Jusqu'au jour où till the day where Lot a grandi. Lot grew up. Lot a grandi. Lot grew up. Et Abraham avait des troupeaux. And Abraham had flocks. Il a donné troupeaux à Lot. He gave living stock to Lot. Abraham avait les bergers. He had shepherds. Il a donné les bergers à Lot. He gave shepherds to Lot. Et un jour, pendant que Lot est devenu grand, and one day when Lot became great, les bergers de Lot se querellent avec les bergers d'Abraham. The shepherd of Lot quarreled with the shepherd of Abraham. Nous lisons. We are reading. Genèse 13, à partir du verset 5, il est écrit. Mm-hmm. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée. Lot est déjà grand, il a les brebis. Lot has sheep already. Tu as la maison. You have a house. La dernière fois que tu as rendu visite à celui-là, c'était quand?
ton ancien père là. The last time you pay a visit to your old father. Tu as écrit un message d'amour à ta marraine là, c'était quand? You text your godmother. Au travail là, tu as eu sa grâce à elle. Tu lui as écrit un message d'amour, c'était quand? You had the job because of her. When non, ne regarde pas seulement qu'elle t'a insulté. Don't look at the fact she insulted you. Tu n'es même pas en face, un message. Si elle veut lire, si elle ne lit pas. If she wants, she does not read. Mm. Si il veut répondre, si il ne répond pas. If he wants, he answer. Dans la reconnaissance éternelle. Eternal recognition. Vis-à-vis de cette personne qui t'a donné la vie. Towards that person who gave you life. Parce que quand on donne le droit de donner la vie. Hein. Because when they give you job, they give that's you life. C'est le jargon camerounais. That is the language. Quand tu fais voyager, on t'a donné la vie. When they make you to travel, they give you quand life. Quand on te connecte à la gloire, on t'a donné la vie. When they connect you to glory, they give you la life. La dernière fois, tu as écrit un message d'amour. The last time you gave a text message of love. À ta grande sœur qui t'a payé l'école, c'était quand? To your elder sister who paid you school. Quand tu lui écris seulement, c'est pour dire que le mois est passé, la fin du mois est passée. You only text her to ask for money. Alors quand tu envoies souvent les où? Tu es obligé. Is it by force? Il y a des parents qui ne donnent pas. There are people who don't. C'est-à-dire que tu es sorti de son ventre, ne donne pas. You came out from his womb, mais ta sœur, you, but your sister, qui doit se concentrer sur sa vie. Who wants to focus on her life? Lot. Abraham l'a élevé. Abraham l'a éduqué. L'a fait grandir. Make him to grow. L'a enrichi. Enrich him. Dieu ne connaît pas Lot. God does not know Lot. Et plus grave. But what Lot veut dire voile. Lot means donc la présence de Lot dans la vie d'Abraham a voilé sa vie. So the presence of Lot in Abraham's life. Abraham n'a pas life. Cessé de l'aider. But Abraham did not cease helping him. Quand tu es l'ange pour les gens. When you are an angel for others. Sauf si instruction spéciale de Dieu. Just by God's instruction. Dieu te dit c'est pas toi. God said depart. Mais tant que tu n'as pas l'instruction là. But as long as you don't have instruction, fais ton travail. Do your work. Yes. Tu ne connais pas là où vous serez ton enfant quelque part. You don't know where your child will be held somewhere. Tu ne connais pas, tu peux mourir demain. You can die tomorrow. Tes enfants restent orphelins sur la terre. Your children remain orphan on et earth. Dieu and God met aussi les anges sur leur chemin. Put angels on their parce way. Que ce que tu as sémé, because what you have sowed, tes enfants vont récolter. Your children will reap them. Il a aussi les brebis, les bergers même. He has donc l'autre est devenu patron. So Lord became a boss. Parce que l'ange Abraham, because the angel Abraham l'aimait. Was loving him, l'aidait, was helping, le soutenait, was sustaining, le bénissait, was blessing him. Abraham était encore lui et sa femme stérile. Abraham and the wife were still barren. Mais ils s'occupaient des enfants des autres. But they were taking care of all tu n'as pas encore accouché. Dieu t'a mis les enfants sur le chemin. God put children on your way. Fais ton travail. Do your work. 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 Nous lisons. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Pas de jalousie. No jealousy. Abraham n'a pas fait jalousie à son neveu. Abraham is not jealous of nephew. Si tu es l'ange de quelqu'un, if you are somebody's angel, plus tu le bénis, the more you bless him. Et bénis le même pour qu'il te dépasse. And bless him for him to be above you. Bénis ton neveu pour que ton neveu te dépasse. Bless your nephew for him to be above you. Bénis ta fille pour que ta fille te dépasse. Bless your daughter for her to surpass you. Il n'y a pas de comparaison. There is, they cannot aucun be compared. Ange envoyé par Dieu. No angel sent by God. Est venu se comparer à un serviteur de Dieu. Compare himself to a God's chacun servant. Fait son travail. Everybody does l'ange work. Vient te soutenir. The angel come and sustain c'est son you. Travail. It's his job. Tu es élevé. You are uplifted. Fais ton travail. Do your job. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Écoute-moi bien. Listen to me well. Quand tu es grand, tu es grand. When you are great, you are great. Si tu es l'ange de quelqu'un, if you are somebody's angel, ne te querelle jamais avec la personne. Never quarrel with the person. Je répète en français facile. I repeat easily. Si tu as déjà aidé quelqu'un, if you have already helped someone, que Dieu t'a mis au-dessus de la personne, and that God puts you above the person, même si la personne devient ingrate, even if the person becomes ungrateful, ne te querelle jamais, c'est pas ton égal. Never quarrel with her. Celui it's not qui your donne, age mate. He that a le pouvoir, has the power, celui qui reçoit. Upon he that receives. Si toi on t'a donné, if you were given, ne t'amuse jamais. Never joke. Allez te quereller. In going avec celui qui t'a donné. With he that la Bible nous prescrit quelque chose. Si ton supérieur est fâché contre toi, if your elder one is angry against you, withdraw yourself. Ta tante qui t'a aidé est fâchée contre toi. Your aunt who helped you is angry against you. Ne te querelle pas, tu as raison. No quarrel. Fuis seulement. Just withdraw yourself. Parce qu'elle peut se tenir ce qu'elle t'a fait comme bien être maudit. Because she can stand on the good she did to you. Et ça marche. And it works. Abraham a enseigné, il ne veut pas détruire toute la semence qu'il a déposée dans la vie de son neveu. Abraham did not destroy the seed in the life of il dit pas de querelle. He said no quarrel. Si je me querelle avec mon fils, if I quarrel with my son, il est mort. He's dead. Combien de parents que vous êtes, how many parents you are, avez détruit vos enfants, have destroyed your parce que vous êtes querelé avec vos enfants. Because you quarrel with the children. Mieux de toi, tu as les dragueurs. Better for you have mieux de toi, tes sons sortent déjà. You are already beautiful. Maman, tu es en train de la maudire. Mommy, you're cursing her.
Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Today, many people are beaucoup de gens sont les problèmes. Have problems. Parce qu'ils sont querellés il y a 15 ans, 20 ans, ago, avec leur mère, avec leur père. With their fathers, alors que leur père, leur mère, their mommies, étaient des anges pour eux. Were angel for them. Quand l'ange discute le corps de Moïse avec Satan, when the angel fight for the body of Moses, tu bloques à ce niveau, Satan. Mais tu vas dans Jude 2. Jude chapitre 1, verset 9. Le dernier livre avant Apocalypse. Un ange discute le corps de Moïse avec Satan. An angel fight for Moses corpse with Satan. Satan est Satan. Satan is Satan. Mais l'ange dit, but the angel say, je ne me querelle pas avec toi. I do not quarrel with you. Mm. Oh, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable. Je me repens, j'ai même fait une erreur. Ce n'était même pas un ange, c'était un archange. It was an archangel. Un archange Michel. Archangel Michael. Conteste le corps de Moïse avec Satan. Fight the body of Moses with Satan. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Et lui disputait le corps de Moïse. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Je suis seulement venu prendre le corps d'après ce que Dieu m'a dit. Je ne m'insulte, me crée pas à toi. I simply come to take the corpse according to what God told me. Je ne t'insulte pas. I don't insult you. Les anges ne s'insultent pas entre eux. Angels do not quarrel against among them. Pendant qu'il discute le corps de Moïse, oui. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Et de ceux qu'il ignore. Amen. Amen. Satan n'est plus son chef. Satan is no more his boss. Mais il ne l'insulte pas. But he does not insult him. Une des malédictions que vous avez dans vos vies. One of the curse you have in your quand life. Quand vous quittez quelqu'un, vous le quittez en l'insultant. When you leave somebody, you leave the person insulting the person. Tu as été en relation avec un homme. You have been in a relationship with a man. Après la séparation. After the departure. Ne l'insulte pas. Do not insult him. Tu as fait l'enfant avec un homme. You had a child with a après man. La séparation. After the departure, ne l'insulte pas. Do not insult him. Il y a eu des moments où il était un ange pour toi. There were times he was an angel. La preuve. The proof. Va dans ton ancien téléphone. When your ex phone. Regarde les messages que tu lui écrivais. Look at the messages you used to send to him. Tu commençais mon ange, mon amour, ma pomme de France. Mais aujourd'hui, today, un chien vert. Mm. Comment tu as fait how did you manage pour subitement to just of a sudden insulter ton ange? Insulting your angel. C'est une porte que tu as ouverte à la malédiction. To the curse. On oublie trop vite. We so much forget. Tu peux quitter une église. You can leave a church. N'insulte pas ce pasteur. Don't insult that pastor. Il a été ton ange. Yes, it was your angel. Quand tu viens ici, when you come here, n'insulte pas ton ancien pasteur. Don't insult your ex-pastor. Il a été ton ange. He has been your angel. Même dans ses problèmes, even if it's in dans problem, ses péchés, in his sins, tu as été passé par lui pour t'aider. To yes. Help ne l'insulte pas. Don't insult him. Beaucoup de pasteurs encouragent leurs nouveaux fidèles à insulter les anciens pasteurs. Many pastors encourage their new pastor, je te parle. Member to insult ton pastor. Fidèle qui vient insulter son ancien pasteur chez toi, that member will come and insult va t'insulter chez son prochain pasteur. Will insult you to the next pastor. Les ingrats d'hier sont ingrats aujourd'hui, sont ingrats demain, sont ingrats éternellement. And forever. L'ingrat est ingrat. The ungrateful one is il conjugue le verbe être ingrat he conjugate the au présent, in the present au passé, tense, in the past au futur. The future tense. Donc pendant que so while, le fidèle a vient insulter son ancien pasteur chez toi, the member come and insult the expert tu appuies. You agree. C'est la même chose qui va te faire, qui va te quitter dans 3 mois. It's the same thing will do to you when you leave you in 3 months to tu come. Tu quittes une église, tu viens ici. You leave a church, you come here. Que Dieu bénisse ton ancien pasteur. May God bless your ex-pastor. Que Dieu bénisse sa vie. May God bless his life. Sa famille. His family. Son ministère. His ministry. Il est sorcier. He's a witch. C'est son problème. Is his business. Il est péché. He's a sinner. C'est son problème. He's his il business. A quitté la foi. C'est son problème. Is his business. Il a été un ange pour toi. He has been an ne angel l'insulte you. Pas. Do not insult him. Yes. L'archange Michel est à côté de Dieu. The archangel Michael is next to God. Satan est en enfer. Satan is in hell. Mais Michel, but Michael n'insulte pas Satan. Does not insult Satan. Je te parle de Satan. I'm talking about Satan. Je te parle de Satan. I'm talking about Satan. Je te parle de Satan. I am talking about Satan. Parce que les anges sont éduqués. Because angels are ils educated. Ne connaissent pas insulter. They don't know how to insult.
Mais nous, les églises, là. But we churches. Les églises, là. Churches. J'avais demandé à une amie musulmane un jour que chez vous, là, on insulte les imams comme les chrétiens insultent les pasteurs. I asked one friend Muslim if they insult their imams the way possible, they insult pastors. Pas. Nous on a le Saint-Esprit plus plus. We have the Holy Spirit more and more. Mais façon on insulte. But the way we insult. C'est pas parce que tu es assis là, tu me regardes là que tu vas pas m'insulter en trois mois. It's not because you are looking at me that you will not insult me. Nous on est formés dans ça. We are training that. On connaît les chrétiens. We know Christians. Aujourd'hui, today, il chante tes louanges. He praises demain, you. Tomorrow, il insulte. He insults you. Mais le problème c'est quoi? But what is the problem? Tu insultes ton ancien ange. You insult your ex-angel. Tu es maudit. You are cursed. C'est automatique. It is automatic. Abraham a dit à Lot, n'oublie pas comment j'étais éduqué. Abraham told Lot, don't forget the way I educated. Le secret de notre bénédiction. The secret of our blessing. On ne se querelle pas avec son ange. We don't quarrel with the angel. On n'insulte pas son ange. We don't insult the angel. On ne maudit pas son ange. We don't curse his angel. L'ange, quand tu bagarres avec ton ange, the angel, when you fight with your angel, il finira par te briser le côté. He will end up breaking Jacob your hips. Jacob a bagarré avec son ange. Jacob son ange with l'a déboîté. Angel, he remove his hip. Tu peux être plus fort que ton ange. You can be stronger than your angel. Tu peux avoir plus d'onction déjà que ton ange. You might have more anointing than tu your peux angel. Connaître Dieu plus que ton ange. You can know God more than your mais angel. Il finira par te déboîter. But he will end up removing your hip. Tu as quitté une église. You left the church. L'onction ici the anointing ne peut pas être déclenchée be start off si tu insultes ton ancienne église. If you insult your ex-church. Le travail que nous faisons, ce n'est pas le travail d'une église, it's not the work of a church. C'est le travail de Dieu. It's the work of God. L'amertume que tu as contre ta marraine, the bitterness you have against your contre godmother, ton parrain de la religion, your godfather of contre religion, ta marade, contre ta grande sœur, contre ton grand frère, against your elder ne te permettra pas will not allow you d'être béni ici. To be blessed here. Dieu n'est pas féticheur. God is not a fetishist. Avec ton mauvais cœur, il te bénit. Non. With your bad heart, il bénit ton cœur est nettoyé. He bless if your heart is clean up. Si ta robe est lavée, if you are dressed si tu refuses, if you deny, il ne te bénit pas. He don't bless you. Beaucoup de gens refusent de servir Dieu parce qu'ils ont gardé. Non, ce qu'on m'a fait dans l'église là, je ne peux pas. Non, en fait, son problème, ce n'est pas ce qu'on lui a fait, c'est qu'il a gardé l'amertume. The problem is that he kept bitterness. On fait mal à tout le monde. They wrong everybody. On traite mal tout le monde. They treat everybody. On insulte tout le monde. They insult everybody. On essaie de détruire tout le monde. They try and destroy mais everybody. La différence est dans tout le monde là. The difference in everybody, il y en a qui pardonnent, there are some who d'autres forgive, ne pardonnent pas. Others don't forgive. Tu es dans quel camp? In which camp are you? Tu es dans quel camp? On which side are you? De ceux qui pardonnent? Of those who forgive, ou de ceux qui gardent rancune? Or for those who keep resentment? Pas de querelle. No quarrel. Avec son ange. With his angel. Abraham rappelle à l'autre que hey. Abraham reminded je n'étais pas élevé. I did not lift pour you que tu meurs. For you to die. Je t'ai élevé. I took care of you for you to be a man. Pas de querelle. No quarrel. Et pour cela, and for that, la séparation separation n'est pas la division. Is not division. Mais on se sépare. We better depart. Je te bénis I bless you que de te garder à côté de moi. That to keep you next si to ta fille là if that your daughter devient insolente, becomes ne la maudis pas. Don't insult pousse her. La à grandir à loin de toi. Pushes her to grow up far away. Beaucoup d'églises se meurent aujourd'hui. Many churches are dying today. Les pasteurs se mangent entre eux. Pastor eats their selves. Parce que les pasteurs ne comprennent pas. Because pastors don't understand. Si quelqu'un a grandi, if somebody grew et l'espoir ne suffit plus, and the spirit libère-les is pas en le bénissant. Set him free by c'est pour ça que him. Les pasteurs camerounais ne peuvent pas se comparer au Nigeria. That is why Cameroonian pastors cannot be compared au to Cameroon, Nigeria. Tu peux on te maudit. In Cameroon, you leave au Nigeria, the tu peux on te bénit. In Nigeria, you go the blessed. Parce que celui qui t'a béni, because he that bless tu you, te souviendras de lui, you remember tu vas venir dire merci. And you yes. Come and give mais celui qui t'a maudit, but he that curse you, tu peux aller dans le cœur que you go with je vais réussir. I je vais te montrer que show Dieu aussi notre Dieu. God is equally our et la division là and that division est perpétuée de génération en génération. Goes from parce que celui qui devait bénir bless, a maudit. Asked, celui qui était l'ange he that was the angel, s'est transformé en démon. Turned into a demon. Il y a des gens à qui j'ai fait du bien. There are people to whom I did good. Quand on s'est séparés, ils m'ont insulté. When we departed, je ne les ai pas maudits. I did not curse quelques them. Années plus tard, ils sont rappelés de moi. They remember me. Ils sont venus me faire du bien. They came and do me good. Amen. Le bien, c'est le bien. Good is good. Le bien, c'est le bien. Good is good. Le bien est bien. The good is good. Pas
de querelle, monsieur l'autre. Tu as l'argent. You have money. Gloire à Dieu. Tu as les troupeaux. You have flocks. Tu as les entreprises. You have companies. C'est ma grâce. It's my grace. Mais gloire à Dieu. But glory be to je God. Ne suis rien. I'm Dieu est passé par moi. God passed through me. Et Abraham dit à l'autre. And Abraham told Lord. Séparons-nous. Let's depart. Et je finis en te disant ceci. And I end up by telling l'autre est parti s'installer dans un pays. Lord, when I installed himself in the land, il n'a pas maudit Abraham. He did not curse Abraham. Abraham l'a pas maudit. Abraham did not curse. Un jour l'autre a eu les problèmes. One day Lord had problems. Il a sorti des problèmes. Who removed him from the problem? Abraham. Abraham était son ange. Abraham was his angel. Quand les anges de Dieu passaient devant la maison de l'ange de l'autre, passed in front of the house of the angel of God, qu'on appelle Abraham. Called Abraham. Abraham les intercepte. Abraham, Abraham les nourrit. He feed them. Abraham les héberge. He looked. Il lave leurs pieds. Abraham jusque là n'a pas encore d'enfant d'héritier. Abraham is childless. Il n'a pas encore d'Isaac. He has no Isaac. Mais il n'a pas maudit l'enfant de l'autre. But he did not curse the child of other. Et les anges, and the angels, après avoir mangé, se disent entre eux. After having eaten, said, est-ce qu'on va cacher à ce farouteur? Must we hide to this sponsor? Ce qu'on est même en train d'aller faire. What we are about to do? Et c'est là qu'on révèle à Abraham. And then they reveal to Abraham. On va détruire la ville où se trouve celui pour qui tu étais un ange. That they will destroy the town of the one for Abraham whom you are an angel. Depuis sa naissance. And Abraham says, since his jusqu'aujourd'hui, till today, je suis son ange. I am his angel. Si vous voulez le tuer, if you want to kill vous me, allez me traverser. You will pass me by. Tu sais pourquoi? Do you know why? Lot n'avait pas maudit son ange. Did not curse his angel. Si Lot avait maudit Abraham, if Lot has cursed Abraham, Abraham allait dire aux anges là que Abraham would have told the angel, bombardez même ce soir. Do it tonight. Tuez-le aujourd'hui. Kill him tonight. Dieu m'a vengé. God has avenged me. Moi j'ai dit je ne le tue pas. I said, I mais vous allez le tuer. But you go and kill parce qu'il him. M'a maudit. Because he cursed me. Ils ont dit est-ce qu'on va cacher Abraham? They say, are we going to hide to Abraham? Et Abraham a intercédé jusqu'à ce que il dit, est-ce qu'on peut trouver 100 personnes? Can we find 100 people? S'il y a 100 personnes à Sodome et Gomorrhe. If there are 100 people in Sodom and Gomorrah. Qui n'ont pas péché, est-ce que vous pouvez épargner la ville? Who have not sinned, can you spare il dit, Abraham the town? Content. Abraham said, il n'y a pas 100 personnes. It is not 50 personnes, il n'y a pas. 10 personnes, il n'y a pas. 10, it's not après, il dit, bon, comme Sodome et Gomorrhe est pourri. After he says, since he's rotten, sauvez seulement la personne pour qui j'étais l'ange. Only save the person for whom I was the angel. On a dit qu'on va le sauver. They say, okay, we'll save parce que him. Toi tu es un ange. Because you are an angel. Nous sommes les anges. We are angels. On va le sauver. We will save him. Et on a sauvé Abraham. And they save. On a sauvé Lot. Lot. Et Lot. And Lot. Pendant qu'on le fait sortir. As he is going out. La femme de Lot certainement qui a insulté la femme d'Abraham. The wife of Lot was insulting the wife of Abraham. Vous les femmes là. C'est-à-dire que. Tu rencontres l'homme, monsieur le truie. Son oncle lui a fait du bien. C'est toi qui viens mettre les choses dans la tête du monsieur que ton oncle est sorcier. Et son oncle lui a payé l'école. C'est son oncle qui l'a aidé. It's the uncle who helped him. Chère femme. Dear woman. Avec vos yeux des hiboux et des chauves-souris là. With your eyes of bats. Quand vous allez épouser les hommes de Tui. When you get married to people. N'allez pas leur dire comment leurs familles sont sorcières. Don't tell them the way their family are wizards. They know. Il connaît. They know. Il connaît qui est qui dans sa famille plus que toi. He knows the people of his family more than il you. Il connaît. He knows. Pourquoi serait que la femme de Lot qui n'est pas sauvée? Why is only the wife of Lot who is not saved? Est-ce que pendant que Lot bénissait son ange, as Lot was blessing his elle angel, le bénissait aussi? Was she blessing too? Les enfants de Lot sont sauvés. The children of Lot are saved. Lot est sauvé. Lot is saved. Sa femme n'est pas sauvée. The wife is not saved. Elle n'était pas dans la couverture. She was not in the cover. Les femmes. Man. Les femmes. Women. Les femmes. Women. Les femmes. Women. Tu es l'ange de qui? From who are you the angel? Qui a été ou qui est ton ange? Who has been or who is your angel? Je te parle des anges qui ont des corps physiques. I'm talking about the angel who has physical body. Je viens avec ça ce soir et demain j'entre dans la dimension spirituelle maintenant du ministère des anges. Tomorrow we enter into the spiritual dimension of the ministry. J'avais besoin de finir ce message ce soir. I needed to end up with this message tonight. Pour te dire. To tell you. Dieu ne bénit pas par hasard. God does not bless by chance. Dieu bénit si on respecte les principes. God bless if you respect the principles. La mère de ton mari est sorcière. The wife of the mother of your husband is a witch. Ce que je peux dire est choquant et peut-être pour toi blessant. What I can say may wound you. Mais c'est sa mère. But it's his mother. Sa mère. She's the mother. C'est sa mère. It is her mother. La sorcière a porté ton gros mari là 9 mois dans le ventre. The witch carry your husband 9 months in the belly. Si je manque, tu vas arracher le micro, tu prêches à ma place. If I lie, come and preach on my behalf. 9 mois elle a porté. 9 months she carried.
Le combat spirituel, ce n'est pas insulter ta belle-mère. Spiritual warfare is not to insult your Le combat spirituel, c'est dans la prière. But it's in the prayer. Mais physiquement, tu es poli. But physically, you are polite. Physiquement, tu es humble. Physically, yes. You're humble. Spirituellement, physiquement, tu es serviable. Physically, you serve. Moi, j'allume le feu sur ta belle-mère. I put on fire upon Toi, your tu lui envoies le poulet. You send her the chicken. Tu apprends que ta belle-mère est malade. You learn your mother-in-law is sick. Envoie le poulet. Send her the chicken. Même si c'est ma prière qui l'a rendu malade. Even if my prayer makes her sick. Tu fais ton travail. You do your Je job. Fais mon travail. I do Amen. Mine. Mais si tu apprends que ta belle-mère est mourante, if you hear she's tu la maudis. You curse her. Tu es fini. It's over for you. Laisse-moi travailler contre elle. Let me walk against C'est her. Moi le prophète. I am the prophet. C'est moi l'homme de Dieu. I am Toi, tu es sa belle-fille. You are the mother-in-law, the daughter-in-law. Ta belle-mère t'attaque. Your Viens me voir. Quand me. Tu finis de me voir, va lui préparer la nourriture. Yes. Donne-lui son vin rouge. Mm. Envoie-lui son argent pour qu'elle boive avec son haki. Send her money for her to send to drink. Elle aime ça. She loves that. Tu crois que tu peux être ici une société te bloque tes finances? You think you can be here a rich block Si tu donnes mon argent, il va bloquer. Tu n'es pas à la chapelle de la grâce. Ici, si tu aides un sorcier, il te bloque, c'est que tu n'es pas ici. Here, if you help a wizard, en plus, you, si c'est quelqu'un qui est dans la famille de ton mari, and if he's in the family of your husband, si c'est quelqu'un qui est dans ta propre famille, if he's in your own il ne peut pas te bloquer. He cannot block you. Si tu es de cette église, if you are from this il church, ne peut pas. He cannot. Sauf si vous vous connaissez en sorcellerie. Except you know each other in the witchcraft. Il y a une jeune fille qui était arrivée ici, elle faisait 7e année médecine. A young lady came here, she was in PhD year. 7e année médecine. PhD year of medicine. Wow, mon père veut me tuer. My father wants to kill Son père me. Un grand sorcier, chef supérieur à l'est. A chief mon père veut me east. Tuer. Mon père veut me tuer. J'ai à contacter les marabouts bénins. Ils m'ont pas aidé. Les pasteurs, ils m'ont pas aidé. Ils m'ont pas aidé. Ils m'ont pas aidé. Il dit, maintenant tu es arrivé ici. Ton père ne peut plus te tuer. Je lui dis, madame, Attends, qui t'a payé l'école? Who pays your school fees? Mon père. My father. Qui te donne l'argent pour faire le mémoire? Who gives you money to do Mon your memory? Père. My father. Qui te paye la chambre? Who pays your room? Mon père. My father. Qui te paye les habits? Who pays your dresses? Mon père. My father. Ton père ne peut plus te tuer. Your father can no more kill you. Même si t'as payé ça pour te vendre. Even if he paid to deliver you. Je suis ton deuxième père. I'm your second father. Ce sera la guerre des pères. It will be the war of fathers. À partir de maintenant, As from now, il ne peut plus te tuer. He can no more kill you. Quand elle finit de parler comme ça, elle piaf. When I spoke like that, she moaned. Je t'ai dit que, en fait, cette petite fille était sorcière. That girl was a witch. Tu ne peux pas être à la chapelle de la grâce, on se dit, te mange. Tu fais comment? You cannot be in chapelle de la grâce, a wizard. Ça fait de couverture. It's all about cover. Si tu es ici, on te mange, tu n'es pas ici. You are here and they eat you, you are not here. Tu as posé here. Tes fesses sur la chaise, mais ton cœur n'est pas ici. You are sitting here, but your heart is not here. Parce que pour manger quelqu'un, tu manges son cœur. Because to eat somebody in witchcraft, they eat the Et heart. Si tu es ici pour manger ton cœur, il faut qu'il traverse l'autel-ci. And if you are here to eat your heart, they must cross the altar. Un jour, j'ai appelé son père. One day I called the father. Et je lui ai dit, comment qu'est-ce qui se passe avec ta fille? And I said, what is happening with your daughter? Elle dit que j'ai dit, moi aussi j'ai dit à ta fille que. I told your daughter that. Même si tu es sorcier. Even if you are moi, c'est ton grand frère. I am your elder brother. Je parlais au chef supérieur. I was talking to the superior chief. Ils n'avaient pas qui parlait. Vas-y, voyez le petit là. Il dit, moi je suis ton grand frère, donc je suis le patron des sorciers. Tu vas la tuer. I'm the boss of Wiza. You cannot kill her. J'ai dit à ta fille que. I told your daughter that. Qu'elle obéisse à ce que tu lui dis. Let her obey to what she said. Qu'elle est à l'école. Elle a pris l'argent des soutenances. You took the money for soutenance. Elle dit qu'elle fait les sacrifices avec. Elle dit qu'elle va te maudire. Va faire la soutenance. Elle dit que moi je vais d'abord vivre. Mon père veut me manger, mon père veut me tuer. Je lui ai dit, comme c'est comme ça, je ne veux plus te voir ici à l'église. Va soutenir, tu prends ton doctorat. Elle est partie de l'église. Elle a dit que mieux elle meurt. Mais son père là, elle va le combattre. Elle a quitté l'église. Elle s'appelait Dena. C'est Dena ou Lena. Dela. Dela comme Dalila, c'est les mêmes gens. Il y a 2 semaines, je suis vers United. Et je vois la fille, elle est nue. Elle est folle. J'ai appelé le pasteur Dubois que cherchez mon numéro de son père parce que vous voulez l'arrêter. Pourquoi on l'amène à l'hôpital? On a retrouvé le numéro de personne. Elle est entrée dans un combat qui la dépasse. Elle veut détruire son père. Écoutez-moi. To me. Je ne suis pas un pasteur illettré. I am not a pastor who did not go to school. Je ne suis pas un pasteur qui est devenu pasteur parce qu'il avait faim. I did not become pastor because I was hungry. Je ne peux pas encourager quelqu'un. I cannot encourage someone à se séparer de sa famille. To depart from his family. Je ne peux pas. I cannot. Moi, c'est ma famille qui a fait de moi ce que je suis. My family made of me Surtout ma famille maternelle.
Especially my maternal surtout ma famille maternelle. Especially my maternal family. Et jusqu'aujourd'hui, and since today, je ne peux pas me séparer de ces personnes. I cannot depart from those people. Chez nous, on a un truc. We have something. Quand tu n'es pas là, on te le sabote bien. When you are not there, the stronger you were. Mais quand tu as un problème, tout le monde est là. When you have a problem, everybody is there. Donc c'est la famille du saboteur. Quand sabote tout le monde. So everybody is slander everybody. Chacun insulte tout le monde. Everybody insults everybody. Chacun critique tout le monde. Everybody criticizes mais everybody. Mais si tu as un souci, if you have a problem, tout le monde vient. Everybody comes. Mm. Donc on se connaît. So we know each other. On est de bons ennemis. We are good enemies. On est là. But we are there. Tu peux pas. You cannot. S'attaquer à ton géniteur. Attack your genitor. Tu t'en sors. And you make tu it. Vas mourir. You will die. Une maman est venue me voir ici. A mommy came to see me here. Ses enfants sont en Italie. The children are in Italy. Le grand frère de leur père. The elder brother of their qui est un grand dans le pays. Who is a great one in qui a livré leur père. Who has sacrificed their father. S'attaque aux enfants en Italie. Attack the children in Italy. Elle va dans une église. She goes in the church. Et sûr que le pasteur de l'église là. And I'm sure the pastor of that la church. La baigne dans la tête qu'on va tuer. Je prie contre l'oncle de tes enfants. I start to pray against tu the uncle of the pas. Children. You cannot. Laisse le pasteur faire le travail. Allow the pastor to do the work. S'il a été un ange pour toi, if he has been an angel for laisse-le you, dans sa position. Leave him in his position. Si tu combats aujourd'hui, if he fights you today, cherche son maître, seek for his master, qui est le Seigneur, le Maître, le Père des Esprits. Who is the father of the spirit. Mais lui-là, but he, tu ne peux pas le détruire. You cannot destroy him. Le Père de ton enfant, the father of your tu child, ne peux pas le détruire. You cannot destroy him. Elle est folle. She's mad. Elle a 7 ans d'études de médecine dans sa tête. Elle a seulement refusé de soutenir. She has 7 years of study in medicine in the heart. J'ai dit Papa Dubois, je veux le numéro de quelqu'un de sa famille. Je vais la récupérer ici. I said Papa Dubois, I want the number of his siblings. On n'a pas trouvé le numéro. We cannot find. J'ai laissé partir. Parce que la mère à l'hôpital, jamais on va dire que tu es qui pour elle. Because if I take her to the hospital, they will ask me who am I. Nu. Naked. Elle a 7 ans d'études dans la tête. 7 years of study. Parce qu'on lui a dit dans les affaires qu'ils écrivent aux gens du Benin là. Because she was told the things that they were doing. On va t'aider à tuer ton père. Who helped you to kill your father? Je suis allé dans tous mes anciens téléphones chez la convention que j'avais eu avec son père, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, elle est folle. Today she's mad. Avant d'aller dans les églises, les gens deviennent fous. Ce n'est pas l'église qui a les gens fous. It's c'est la méchanceté dans vos cœurs. To be mad. That is the wickedness that is in your ta rancune. Your resentment. Mets un sentiment put a feeling dans ton cœur in your heart pour détruire les supérieurs. To destroy tu vas mourir, madame. You will die, madame. Et c'est les pasteurs qui encouragent ça. And pastors encourage parce que that. Les pasteurs sont méchants. Because pastors are wicked. Quelqu'un a donné le travail. Somebody will give tu le combat. Up, you fight tu as quelle tête? How are you? Tu as quelle tête? Who are you? Jésus est Dieu. Jesus is God. Mais il est fils de Dieu. But he's the son of God. Où est-ce que Jésus a combattu le Père Dieu? Where did Jesus fight the Father God? Il a dit Père, s'il était possible que la coupe se soit nous, on n'était même pas d'accord. He said Father, if it was possible for mais comme c'est le Père qui a rapproché la coupe, who brought closer the cup? Que ta volonté. He said Father, may your will. Tu as vu que sataniste combattre son maître et vit. Have you seen a satanist fighting his master and live? Aujourd'hui, beaucoup de grands de ce pays sont en prison, pas parce qu'ils ont volé. Today, many good ones are in prison not because they have sinned, père. But because they turn against your father. C'est ça, non? You know that, right? C'est la punition. It's punition, punishment. Quelqu'un t'a pris, tu étais rien. Somebody took you, were nothing. Il fait de toi DG, ministre, ceci, l'argent, les... Après, tu dis que non, je vais prendre sa place. Yeah. He gives you a position and you say you take hey! Le gros cœur. Big heart. Après, tu dis, je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Tu es victime de ton gros cœur. You are victim of your big heart. Tu es bloqué là aujourd'hui. You are blocked today. Parce que tu ne veux pas enlever ton cœur dans l'affaire. Because you don't want to remove your heart in that matter. Un ange. An angel. A fait du bien. Did you go? Tu l'as maudit. You cursed him. Un ange. An angel. T'avait épaulé. Helped you. Tu l'as maudit. You cursed him. Baisse ta tête, je prie pour toi. Bow down your head, I pray for you. Père, je prie pour l'église. Father, I pray for the church. Plusieurs parmi nous portons sur nous la marque. Many among us are having the mark de l'ingratitude. Of ungratefulness. Tu as mis des anges à notre disposition. You put angels at our disposal. Des anges humains. Human angels. Qui nous ont aidés. Who help us. Épaulés. Help encadrés. Help financés. Us, sponsor us. Élevés. Positionnés.
Mais à cause d'un malentendu, but because of a misunderstanding, nous les avons maudits. We have cursed aujourd'hui, them. Nous sommes bloqués. Today we are blocked. Père, je prie que tu nous pardonnes. Father, I pray for you to forgive us. Et que tu nous délivres. For you to deliver que us. Que tout combat let every battle que nous avons engagé avec nos anciens anges, that you have started your ex-angels, tout combat dans lequel nous avons été vaincus, every battle in which we were overcome, et aujourd'hui, nous payons le prix de cette défaite. And today we pay the price of the defeat. Père, nous prions que tu nous aides. Father, we pray for you to help à sortir de ces oppressions. To come out from those oppressions. De nous délivrer de cette condamnation. To deliver us from that condemnation. Oui. Yes. Plusieurs d'entre nous reconnaissons que nos mères sont des sorcières. Many among us recognize our mothers mais are ce sont nos mères. But they are our mothers. Nos géniteurs sont des méchants. Our genitors are mais wicked sont ones, nos géniteurs. But they are our genitors. Ils ont payé l'école. They pay our school ils ont fees. Soutenu. They sustain ils us. Ont aidé. They have helped us. Et à cause de cela, and because of that, nous devons reconnaissance we must be grateful. Et bénédiction. C'est pour ça que ce soir, that is why tonight, je lève ma voix en tant qu'ange de cette maison. I lift up my voice as the angel of this pour house. Pour parler à tous les anges qui combattent tes enfants. To speak to all the angels that fight your children. À cause de la faute de tes enfants. Because of the failure of your children. Je prie que ces anges, I pray for those angels, qui les retenaient dans leur cœur, who are holding them in their hearts, que cette retention soit brisée. May they be released. Que les malédictions déclarées contre les anges, may the curses released upon the angels, que les malédictions déclarées par les anges, may the curses released contre tes enfants qui m'écoutent ce jour. By the angels against your children listening que ces malédictions soient brisées. May those curses be broken. Plusieurs parmi nous ont été aidés par des pasteurs. Many among us were helped by pastors. Délivrés par des pasteurs. Delivered by pastors. Guéris par des pasteurs. Healed by pastors. Soutenus par des pasteurs. Sustained by pastors. Et à la séparation. And à cause d'une blessure, because of a wound, à cause d'une malédiction, because of a curse, à cause d'une mésentente, because of a misunderstanding, nous aussi on a ouvert la bouche, we have opened the mouth pour maudire ces anciens anges, to curse those ex-angels, et une malédiction s'est attachée à nos vies, and a curse attached to our je lives. Lève ma voix en tant que ange, I lift up my voice as an que, angel, et je déclare, and I declare, que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus, may that curse be broken in plusieurs Jesus' name. Anciens patrons, many ex-boss, qui ont été des anges pour nous parce qu'ils nous ont payé des salaires, who have been angels for us because they pay our salary, nous ont maudits. They curse je lève ma voix en tant qu'un ange I lift up my voice as pour an angel briser cette malédiction. To curse that curse. Je prie pour l'église I pray for the church que tout combat let every battle que nous avons mené contre nos anciens anges that we made against our je déclare la fin de ces combats I declare the end of et que les malédictions les esprits de défaite I made the spirit of defeat, de rançon of defeat, de blocage or ransom and de misère misery, de pauvreté poverty, lié à ce combat linked to that battle, que ces esprits soient chassés de la vie de tes enfants au nom de Jésus. Béni Père bless Lord, agis acts, délivre deliver, au nom de Jésus Christ in Jesus Christ's name. Amen, bien. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus and bien give a hand for Jesus.